nous dit tout le monde un gros bonsoir et ça fait nous plaisir, nous sommes capables de dire tout le monde bonjour tout. Parce que quel que soit côté où il est, quel que soit dans le pays où il est capable de suivre nous, Haïti Foot TV. Parce que nous est nous-mêmes nous là pour nous capables d'éclaircir, pour nous capables de montrer, pour nous faire promotion pour tout joueur football qui existe, tout joueur football en Haïti, qui est en Haïti, bien entendu, haïtien qui a joué football. C'est pour ça que nous-mêmes nous là pour nous capables de montrer, jeunes, anciens, nouveaux, pour nous capables de montrer qui ça nous a été fait dans le passé, qui ça a fait dans le présent et qui ça qui supposé faire dans le futur. C'est pour ça Haïti Foot TV lui-même lui là, c'est une équipe jeune qui l'a cap promouvoir tout footballeur qui existait qui et football là même, c'est pas seulement footballeur et ça faut représentation nous toujours gagne un ballon avec ballon ça qui signifie que c'est football là nous-même n'a promouvoir. Et après-midi ou bien soir là, quel que soit côté là, j'aime dire nous nous avons un coquin chaîne garçon qui est ensemble avec nous là, nous allons pour nous présenter lui, nous allons pour nous parler ensemble avec lui et que tout le monde connaît sous mon Tigana, c'est Gabriel Michel de Tigana que nous allons pour nous parler avec lui, nous allons faire connaissance ensemble avec Gabriel Michel de Tigana, son joueur qui passe de présentation, qui fait un paquet de sélection, qui passe de 2 à 3 clubs. Mais Tigana va nous parler plus de lui-même parce que c'est Tigana qui va venir expliquer avec les jeunes, un paquet là eux-mêmes parce que nous avons un gros problème qui gagne dans le pays nous. Il y a des gens qui connaissent Tigana, mais il y a des gens qui ne connaissent pas tout. Par rapport avec Tigana, il y a des gens qui ne peuvent pas apprendre pour montrer l'image tout le temps. Mais Haïti Foot TV, il y a tout le monde qui a une opportunité pour être capable de voir Tigana. Je dis à vous, Gabriel Michel, dans Haïti Foot TV. Nous prenons un coup de pause pour retourner tout à l'heure. Nous retournons après pause là pour nous capables et présenter aucun chaîne garçon ça gros et footballeur ça qui c'est Gabriel Michel de Tigana sur Haïti Foot TV qui c'est pas qui c'est pas. Et bien c'est avec un plaisir n'a dit Tigana un gros bonsoir et Gana au sur Haïti Foot TV n'a dit bonsoir et bonsoir et tout téléspectateurs tout et monde Haïti Foot TV qui regarde nous là dans gros ça et n'a profité et rentrer là caillou et parler de football et bon nous là à la disposition toutes questions et tout ça qui est pour le fait dans faire sur Haïti Foot TV. Ouais, effectivement Haïti Foot TV c'est ça lié depuis nous rencontrer avec un joueur et nous toujours font façon pour nous capable questionner joueur pour nous capable parler avec eux, ou même qui pas gain le soin ou même pour te ca connait joueur ça au bien et parfois c'est une fois capable ou sous 5 ans sous 10 ans et bien sous 2 ou bien sous 10 ans capable ou deux fois. Et bien, qu'on y a là, grâce à avec Haïti Foot TV, ou gagne possibilité pour jouer, ou anciens joueurs et nouveaux joueurs, que nous capables de parler ensemble avec eux. Alors, Tigana, il y a un peu de monde qui réellement pas connaît qui est Gabriel Michel Tigana. Est-ce qu'on peut parler un petit crasse de vous-même réellement sur enfance, sur côté levé, tout ça? Bon, et n'a bien informé tous les téléspectateurs pour être capable de comprendre qu'on est qui est qui Gabriel Michel Tigana. On dit nous lever dans un quartier populaire qui c'est Bel Air et nous sorti tout petit nous entraînant et l'école de football qui c'est l'école qui était fanatique. Après ça nous grandi dans Aigle Noir et à l'âge de 15 ans nous fait première division et nous croyons que sorti sous Bel Air rivé et Tokyo nous croyons qu'il y a un pile monde qui capable connaît zone ça c'est zone aviation. Et nous sommes capables de jouer. Et le ça, c'est l'époque. Nous sommes en catégorie de cadet. Et nous sommes dans le cadet et nous faisons junior. Et nous sommes sous Belé. Nous avons passé dans l'équipe qui est l'expérience, qui était une équipe blanc français qui était CG à Cité Soleil. Et nous faisons carrière un an, deux ans là-dedans. C'est lui-même qui nous donne toute opportunité pour nous capables de vivre. Et dans l'âge de 19 ans, à jouer pour l'équipe Aigle Noir là, côté que nous faisons un paquet de bagailles et nous prêts tout. Nous sommes prêts tout pour nous servir le pays dans toute intégralité. Alors, Tigana, Jean-Abdil là, passé ou son joueur qui passe de présentation. Et début, ensemble avec Aigle Noir, c'est capable de son bagaille qui n'est pas vraiment facile pour vous parce que tu es un paquet de gros joueurs dans l'équipe football ça. L'opon jouait au Tiblan Madichon qui te gagne Rosemont Pierre à l'époque qui te gagne André Berrette qui te gagne tant d'autres joueurs encore mais ou même en tant qu'un jeune ou tu venais paraître ou venais imposer l'offre qu'entrer en Aigle Noir.
Bon, mon cher, et ça fait mal moi citer un entraîneur comme ça. Et parce que monsieur t'a fait un pile bagaille pour moi. Et dans jeune âge, c'est monsieur t'a lancé et dans l'équipe avec le noir là. Côté que t'a metté jouer avec un monde ça que a cité. Parmi lesquels nous avons Osmond Pierre, nous avons André Beret, nous avons Wilner Lamar qui est un monde que nous apprécions et nous saluons tout, qui est malade actuellement là. Et pour une bagaille, monsieur Dédim, est-ce que je suis capable de jouer avec gros nègres? Le monsieur Dédim, ça me dit que tout nègres sont des gros nègres vraiment. Mais la capacité que je suis capable, c'est ça qui a encouragé monsieur tout pour le mettre parmi les nègres. Et le premier match que je songe, que je suis lancé dans la bataille, c'était un Racine avec le noir. Je ne vais pas oublier le match. Je me réserve. Le map paraît pour aller chauffer dans ce stade-là. Tellement de monde, je dis pourquoi c'est moi-même qui vais jouer dans parmi tout le monde. Parce que c'est la première fois que je vais monter le terrain dans ce stade-là, à jouer parmi tout le monde. Là, je suis lancé dans le deuxième mi-temps. Je suis fait bien, qui était étonné. Ce n'est pas la suite que je vais prendre en public avec le noir. Là, tout. C'est on passe sur le map fond centre. On l'a joué. Le ballon mal prend, là il tombe sous bas là, bas transversal là. Côté que stade là, craque, tout le monde s'est en l'air, il y a plus de mes joueurs, mes galons petits, galons blancs. Et c'est ça qui vient rendre tout. Et il y a des bons signes donc, les blancs Ghana, dans l'équipe de Bruno là. Depuis le Sato, c'est comme si son force que je gagnais par rapport à l'entraîneur et ensuite fanatique avec Bruno autour qui était bon, un gros support dans le match. Et il faut que nous jouions avec Tigana, ou soit Haïti Foot TV, qui c'est pas, qui c'est pas. Et vraiment, là, Ghana a expliqué au début qu'il était gagné ensemble avec l'équipe de Noir. Mais par la suite, dans son gros bagage de l'équipe de Noir, où il veut aller dans Don Bosco, côté que le transfert est fait, où il veut faire jouer dans l'équipe de Don Bosco. Parlez-nous de détails de transfert entre l'équipe de Noir avec Don Bosco. Bon, je suis assez un bagage, et moi-même, je n'étais capable pas de expliquer. Mais par rapport avec les fanatiques avec le noyau et dirigeants de Moscou, nous n'avons pas de 40 ans nous. Parce que les fanatiques ont tellement intérêt même. Nous avons par exemple à l'époque, nous avons Luis Figo dans Real, qui a sorti dans Real pour aller dans Barcelone. Nous avons vu tout ça dérivé avec Luis Figo. Mais pour la dérivé avant. Voilà. Ça veut dire que nous avons sorti avec le noyau dans Moscou, si on bagaille fait. Ça veut dire que tout le monde n'a pas gagné personne qui était d'accord avec ça. Et moi-même, j'ai une conviction. Je voulais que les choses ont changé pour moi pour que je ne forme pas. Je dis que je suis dans Moscou. Et par la suite, les dirigeants de Moscou, tout prend ça à cœur. Même les gens qui sont capables de jouer le championnat national pour eux, ils ont rendu mon service. Et ils ont rendu mon service pour jouer l'autre championnat pour eux. Et ils ont dit que faut que je joue quand même. Ça veut dire que les gens qui jouent le championnat, ils ont dit en dirigeant de Moscou, qui c'est Pierre-André Niville à l'époque, et pas de problème. Tout ça, avec le noir, mandé pour le bail, il m'a demandé parce que je décidais de jouer pour Don Bosco. Il était coué tout à moi. Avec le noir, demandé pour négocier pour le bail et pour le libérer. Il était prêt pour faire tout le bagage et ça a été fait. Moi, j'ai été intégré à l'équipe Don Bosco. Effectivement, c'est un dossier que moi-même, c'est la même époque ça, que je suis le dossier. Mais nous allons prendre un petit pause tout court pour nous capables de retourner ensemble avec Tigana parce que nous avons pile bagaille pour nous parler ensemble avec Gabriel Michel de Tigana sur Haïti Foot TV. Nous allons pause pour retourner tout à l'heure. Après pause là, nous retournons sur Haïti Foot TV qui ne sait pas, qui ne sait pas. C'est avec un pile plaisir nous avons avec un conseil pour tous les garçons ça là. Moi, je m'a tout dit, nous salue passage. Que c'est ancien coéquipier dans l'équipe de Bosco, c'était toujours un plaisir. Et beaucoup de gens jouent avec un gros joueur, comme Gabriel Michel de Tigana, qui était à l'entraînement dans le match football, qui était toujours à bailler en pile plaisir. Que moi-même, beaucoup de gens ne jouent jamais jouer avec un gros joueur, comme monsieur. Je ne continue pas l'autre gros joueur, mais à l'époque, pas maintenant, c'était le plus gros joueur qui était gagné. Alors que nous avons parlé ensemble avec Tigana sur l'affaire de Bosco, après que pour finir dans l'équipe de Bosco, et Don Bosco, c'est l'équipe qui vous venez, et comme si nous avons des gens qui ont été là avec le noir et qu'on sort venir dans Don Bosco. Ou venez quitter Don Bosco aller dans Oulalou, parce que nous avons assez sous transfert. Ou venez quitter Don Bosco en 2003, et ou venez quitter Don Bosco aller dans Oulalou. Expliquez-nous. Bon, nous avons passé dans l'équipe Oulalou après Don Bosco. C'est par la suite que nous avons dit un échange entre deux présidents. Que c'était Pierre-André Mirville et qui vient passer Mariette là-bas et Ford Jean-Baptiste.
Et moi, je estime que le traitement que nous avons joué et par rapport à Pierre-André Vélan dans l'équipe, je suis marqué joué dans l'équipe, dans le président de Bosco qui était venu après. Nous avons joué en contact avec le président Ouladoua et qui était invité nous pour nous venir participer avec le premier bagage qui était fait pour nous. C'était un voyage que nous avons fait. Nous sommes venus aux États-Unis avec l'équipe Ouladoua, même avec Pierre-Richard Bruni. Et par la suite, on a demandé pour venir dans l'équipe. Bon, je te dis pas de problème parce que ces dirigeants, même les battus dans Oulado, c'est un moment où nous avons une bonne relation avec lui. Nous mettons nos familles pour nous être capables de faire des bagailles. Et même venir dans Oulado, c'est la même famille qui existe. Même famille, nous jouons avec le football et qui tirent même. Nous jouons avec le football, que nous tirons même tout. Nous faisons une famille et c'est l'équipe ça qui devine faire nous remporter le championnat tout. Parce que tellement de gens étaient unis, ils étaient voulés pour nous faire bagarre ensemble, parce qu'ils devaient passer bien et très bien tout. Et nous mettons nous à point tout pour nous faire un service nous avec l'équipe ou la droite. Jean-Dabti Atigana, effectivement, sous question de l'Aigle Noir passé par Don Bosco, arrivé dans Oulado, que le traitement qui t'a gagné. Et après Oulado, ou retourner dans l'équipe Aigle Noir encore, parce que c'est là où on va finir carrière, c'est à mon club là, c'est par rapport à son équipe qui remet Aigle Noir en pile, parce que dans trois clubs sur le passé, qui est-ce là-dedans ou qui est au pire? Bon, concrètement, le peuple là, et par contre, ou bien qu'il nous a oublié tout. Parce que je fais un temps avec lui, comme entraîneur avec Jean-Jean Mavelier. Là, ça a nous remporté la compétition en deuxième phase et championnat national là. Après, Itala a fini champion avec le premier tour. Deuxième tour avec Mavelier, nous venons champion. Et mal joué contre Gakaf avec l'équipe comme entraîneur. Et c'est une barrière qui te fait plaisir tout. Là, je suis sorti dans Don Bosco. C'est pas dans Oula, mais je suis sorti dans Don Bosco. Et les dirigeants l'aigle noir ont été besoin de jouer aux phases finales. À l'époque, c'était quart de finale, semi-finale, finale, ils ont fait. Ils ont fait tout, tant qu'équipe devant net, parce qu'on s'est fait. Ils ont fait quart de finale, ils ont demandé pour me retourner. Ils ont demandé pour me retourner, et pour un match que je vais jouer. Et je suis sorti dans le Wichan Mas, c'est tout un cortège qui m'a mené sur le terrain d'Elma 2A. Ils ont arrivé, fanatiques, ils ont été tellement tapés de moi. Entraînement ça tout c'est comme si son match football tellement de monde qui va être rien ça t'est venu bon yon paquet joueur dans que moi parce que moi peuple aigle noir même là je t'ai rendre moi la vie difficile mais c'est par rapport avec amour que t'ai pour moi je tellement t'ai même tout je pas lever pour me laisser équipe là le mot tourner dans équipe là dirigeant Don Bosco te prend le soin pour m'aimer sur terrain et fin entraîner c'est porter pour aller là quand moi. Par la suite, nous gagnons une semaine après le deuxième match, Racine et les Goudaïves avec Aigle Noir. Quart de finale, nous faisons la caille, nous faisons 2-2. Mais contre la décision, nous devons jouer deux matchs, ou bien jouer la phase finale là, ensuite pour nous retourner, quitter l'Aigle Noir pour aller à Moscou, ou du moins pour l'autre équipe. Nous étions d'accord avec nous, nous faisons jouer le premier match, nous faisons 2-2, dans la caille, Racine et Goudaïves nous perdu. Nous bouclons le contrat, et nous faisons le contrat à tout. J'ai toujours été petit l'aigle noir. Mon aigle noir tout est toujours été en même. Tout côté OM, j'ai toujours apprécié le même genre. Et ça fait jusqu'à présent, mon des fanatiques, même le pas jouer football encore, depuis au croisé dans la rue, il toujours même à cœur là, même amour. Et me croire dans tout, il toujours être croire dans moi tout. Et nous là, et n'a vivre tant que toutes amis, tout monde qui te reconnaît monde, il n'a pas l'autre. J'en dis à ou changer premier match ou jouer dans la première division, ou changer premier sélection tout. Bon, première sélection que je fais, c'est en 96. Là, ça son sélection. Et on dit, par rapport avec Jean-Monouel, l'autre sélection, qui te gagne pile moun la donne, et faut te gomme en pile pour te gagne place dans l'équipe ça. Et vin jouer, nous te gagne des joueurs qui a fait, il faut qu'il y ait goal, qu'il joue bien dans le club. Yo. Qui c'est superstar équipe yo et pour être toute superstar une fois seul yo prend presque 36 joueurs football qui gagne non qui compte joueur football qui dans équipe yo qui bien passé et pour être qu'on y a là il va faire liste 23 bon à l'époque pas gagne liste 23 parce que bah, c'était tellement difficile c'est 18 monde y a prend plus
et 4 dirigeants, mais 5 dirigeants qui pour voyager avec nous. Là, ça nous fait maintenant l'académie militaire qui sous votre frère là. Même les pour bail, les 18 monde, c'est le monde a dormi minuit, 1h du matin pour mettre les dans mur pour me lever pour y aller, garder qui est-ce qui dans les pour y aller jouer. Ça te fait un plaisir parce que moi, mon bon joueur de football, moi parmi tous les joueurs de football, moi j'étais toujours kembe place moi et j'étais une titulaire équipe sélection nationale là avec un pile d'efforts que me fait en 96 nous aller dans jouer yon phase préliminaire et qui s'est fait et Trinidad. Et nous t'es sorti mal en compétition ça, c'est parce que t'es des problèmes dans niveau ça, nous pas bien aimé des compétitions et ensuite dirigeant par nous tout pas de comprendre dans qui compétition que nous t'avons allé qui fait par exemple de passer mal pour nous. Mais c'est une bagaille, bah j'en oublie pour mes sélections me fait c'est en 96. Effectivement, Jean Abdoula, nous sommes avec Tigana, Gabriel Michel Tigana et ou soit Haïti Foot TV qui c'est pas qui c'est pas parce que on connaît c'est nous-mêmes qui pour faire ouais tout en et ancien yo avec nouveau yo parce que c'est pour football haïtien nous-mêmes n'a travail parce que tout média qui a font travail c'est pour pays ou faire ou a un avancement là-dedans quand même. Jean nous dit à nous avec nous Tigana n'a pas essayé faire public là vive des bagailles qui qu'on a passé de Tigana que on pas connaît bien qu'on y a là lui-même là prendre soin pour le capable d'expliquer. Il y a un match que la sélection nationale a joué, je ne sais pas dans qui année là c'était Vaval qui a entraîné la sélection, il était fort jouer à l'arrière central. Ou est-ce qu'on change match ça? Bon, nous songeons de jouer avec l'équipe Miami qui était venu dans le stade là à l'époque en Enzo Lorenz était en déplacement. Mais tu as choisi un monde qui pour jouer comme central. Comme central. Pour l'équipe là. Voilà. Et coach entraîneur Vaval choisi moi comme central et pour jouer libéro derrière Bruni avec Eddie Cézanne. Mon cher, c'était un choix que j'ai apprécié tout parce que le coach a fait confiance et jouer tout le monde de coach en ça. Je veux dire, parmi tout le monde, et je crois que même mon tir a demandé pour te jouer. Et le coach a dit non, tu as bon jouer. Et je me suis fait coach en moto. J'étais tellement à l'aise par rapport avec deux necks qui sont devant moi et avec l'expérience que j'ai gagné. Moi-même, je vois mon talent qui est technique, qui est capable de jouer, qui comprend le football là tout. Nous avons évolué très 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 bien et nous avons satisfait de prestations équipe là et moi-même surtout. Et nous avons dit coach là et merci tout parce que c'est pas tant parce que nous avons rêvé de jouer dans la ville en sélection nationale. Et dans la sélection nationale, parmi tout le monde, un paquet de monde a regardé, nous avons évolué dans le poste ça. Et nous avons fait un effort, nous avons fait un pile football, nous avons fait un pile plaisir, côté que nous avons fait que fanatique content et entraîner nous époque ça avec jouer football et tout. D'ailleurs c'est pas trop qui difficile mais c'est compréhension et avec toute sorte pour faire yo ou faire le droit ou faire le bien et appliquer ça que quotidiennement nous. Effectivement parce que moi même dès le match ça m'a regardé match en football ça après les matchs à finir hein, va valer lui même personnellement monsieur était couru soutien au système mais coach la fou mais coach lui même son seul monde était besoin à ouais dans match football ça c'est dommage c'est ça nous même c'est à l'heure actuelle c'est ça nous besoin à Haïti Foot TV. Nous avons montré au côté que Vaval a couru sous terrain pour prendre Tigana pour dire monsieur, ou faire content que monsieur embrasse Tigana, moi-même, je vais vivre ça. Nous allons prendre une courte pause encore pour nous capables de retourner là, nous retourner là, toujours gagner Tigana pour nous capables de poser des questions. Mon cher, chaque fois que je parle de Bagaza, ça me fait triste parce que nous, et de nos jours, nous avons un paquet de joueurs de football qui ont fait millions, qui ont fait corps. Écoutez, que moi-même dépassé dans le plus gros pays, dans l'époque, ça, c'est un bel football là, et je ne peux pas réaliser le rêve moyen. Et ça fait mal, et l'homme a joué, et Jacques Mel, nous avons joué un petit tournoi, nous avons joué avec Lucas. Monsieur premier bagage après match de Vinzim, est-ce que Mbada est mal en Italie? Je te vois, c'était une blague. Parce que moi, on ne peut pas présenter dans l'Italie, est-ce que Mbada est mal en Italie? Et à l'époque, je regardais dans la télévision, on s'est dit, gros, je vais regarder. Je me dis, est-ce que c'est moi-même qui prends à l'évoi ou bien est-ce que c'est pas un bluff? Nous, après deux semaines, monsieur rentré pour le prince. Pour les bagages, monsieur dit, et nous prenons faire tout papier, et papier médical, nous allons signer un contrat. Pour nous commencer à préparer tout le processus pour nous aller en Italie. Nous avons commencé avec ces parents, ça. Nous avons été ouais.